À quoi ça sert des designers aujourd'hui de se lancer là-dedans, franchement? Aujourd'hui, on priorise le PIB à la vie sur Terre. En fait, pour moi, en tant que designer, c'est important de ne pas prendre pour argent comptant la réalité qu'on nous propose aujourd'hui. Et les gens doivent être sensibilisés aussi pour apprendre à faire le tri sur ce qui est de l'ordre d'une initiative intéressante et de quelque chose qui est plutôt greenwashing, business comme d'habitude, comme toujours, etc. Donc, C'est-à-dire que si tu veux, la décroissance, c'est pas un truc qui peut découler des institutions parisiennes, être répandu sur la France. Et développement durable, ça ne peut rien dire. Éco-responsable, ça ne veut rien dire. Éco-design, ça veut rien dire non plus. Et c'est là, en fait, je pense, un combat pour beaucoup de gens aujourd'hui qui, individuellement, sont de plus en plus convaincus qu'effectivement, c'est le système qu'il faut changer et c'est pas juste la surcouche. C'est comme l'enseignement, en fait. C'est politique. Avec le design, on peut faire passer les messages qu'on veut. Je pense que donc la révolution à mener est nécessairement encore à inventer. Mais en parler, c'est déjà commencer à le faire.